Salam vous, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 meilleurs business à lancer en Afrique, plus précisément au Togo. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que le 5e business est un business qui peut vous rapporter au moins 2 millions de francs CFA à chaque 3 mois. C'est un business dans lequel je suis et qui me rapporte énormément d'argent. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis, à vos collègues pour que ceux-ci puissent bénéficier de cette vidéo qui pourra changer leur vie. Alors, avant de vous partager les 5 meilleurs idées business à lancer au Togo, je vous présente mon bouquin, le livre que je dénomme les 250 idées business à lancer au Togo. Donc, dans ce livre, vous allez découvrir les meilleures idées business à lancer au Togo. Donc, les idées business que je vous dévoile sont tirées de ce livre. Donc, si vous voulez vous en procurer de ce livre, c'est très facile. Il y a un lien dans la barre de la description, vous cliquez sur ce lien et vous vous en procurez du livre très rapidement. Le livre est disponible en version électronique et en version papier, comme en version physique. Donc, saisissez cette opportunité en vous en procurant du livre qui est riche en business. Alors, le premier business que vous pouvez lancer au Togo, c'est de créer une poissonnerie. Créer une poissonnerie, c'est un business qui marche bien au Togo. C'est un business qui marche, mais c'est négligé. Mais il y a peu de personnes, les gens qui connaissent le système qui marque dans ce business et qui se lance, se font énormément d'argent. Dites-moi, lorsqu'on fait la sauce, généralement on met le poisson, il y a le poisson dans la sauce, vous voyez. Donc les gens consomment le poisson, et le poisson est plus conseillé à des adultes, à tout le monde par rapport à la viande, conseillé à tout le monde. Donc lancez-vous dans ce secteur, lancez-vous. Vous pouvez décider que votre poissonnerie peut livrer des poissons en gros, c'est-à-dire que des petites poissonneries viendront chez vous acheter le poisson et aller revendre dans leur poissonnerie. Donc vous pouvez déjà vous spécialiser dans ça, dans ce créneau-là, vous restez dans ce créneau-là et vous allez vous faire de l'argent, c'est-à-dire que vous achetez au prix d'un gros, grand gros, et vous revenez vendre cela à des détaillants. Vous voyez un peu, c'est un business qui est très rentable. Lancez, vous pouvez même associer dans votre poissonnerie à vendre du saucisse. Vous pouvez associer aussi à vendre des poulets qu'on envoie là. Donc c'est un business qui est très rentable. Il suffit de trouver un bon emplacement, peut-être quelque part où il y a assez de demandes, c'est fini. Vous allez vous faire de l'argent. Donc c'est un business qui marche bien, c'est un business qui marche très bien. Donc lancez-vous si ce business vous intéresse. Alors, avant de vous partager le deuxième business, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez au maximum. Alors, le deuxième business que vous pouvez lancer dès maintenant au Togo, ou en Afrique plus précisément au Togo, c'est de créer un centre de lavage auto. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes ont des motos, les gens ont des voitures, mais n'ont pas le temps pour laver leur voiture, n'ont pas le temps pour laver leur moto. Donc, comment vous allez faire? Vous vous lancez dans ce service de nettoyage de moto et de voiture. Vous pouvez même décider de les faire à domicile. Ou soit vous créez, si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez décider d'aller faire vos lavages à domicile. Donc vous allez vous laver la voiture et la personne vous paye. Ou bien la personne peut signer, vous pouvez faire un contrat avec cette personne, un contrat d'abonnement. Ou vous allez passer à chaque 2 jours, à chaque 3 jours, laver la voiture. À chaque fin du mois, la personne vous verse de l'argent. Donc c'est un business qui est rentable aussi, qui marche très bien. Si vous avez assez d'argent aussi, vous pouvez créer un centre où vous allez acheter des matériaux pour pouvoir laver les voitures, tout ça. Donc c'est un business qui est extrêmement rentable. Il suffit d'être courageux, d'être persévérant, d'étudier comment le business marche, d'avoir un bon business model, vous lancer dans ce business, vous allez vous faire de l'argent. Donc lancez-vous. Alors, avant de vous partager le troisième business, ce que vous n'avez pas encore likez, les gars, likez la vidéo, il faut liker la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et partagez. Alors, le troisième business que vous pouvez lancer au Togo dès maintenant qui peut vous rapporter énormément d'argent, c'est le secteur de la restauration. C'est un business qui marche bien. Dites-moi, qui ne mange pas au quotidien? Chacun mange. Lorsqu'on sort, notre but c'est de manger, c'est de se battre, mais il faut manger. Si tu ne manges pas pendant 3 jours à 4 jours, tu vas mourir. Donc là, le secteur de la restauration est un business qui est extrêmement rentable,
qui est très très rentable. Il suffit de faire des bons plats, des plats que les gens vont apprécier, d'avoir un autre système, c'est-à-dire avoir une vision dans votre restauration. Peut-être que lorsque vous allez vous lancer dans la restauration, vous pouvez seulement se focaliser à faire des plats africains, à faire des plats locaux. Vous voyez, vous pouvez vous focaliser à faire des plats, ça dépend. Ça dépend de ce que vous le faites, c'est d'avoir une belle vision. Ne faites pas seulement immédiatement et intégralement ce que les autres restaurants font. Non. Lorsque vous voyez comment leur restaurant fonctionne, vous voyez le système, vous mettez à vous implémenter votre système, votre restaurant et vous améliorez le système. Vous voyez un peu. Vous pouvez vous-même aller sur notre créneau. Vous pouvez un peu ajouter quelque chose qui pourra un peu vous différencier aux autres restaurants. C'est comme ça que vous allez vous faire énormément d'argent. Même vous pouvez voir même c'est comment eux accueillent leurs clients. Et vous aussi, vous allez améliorer la façon d'accueillir vos clients, la façon de discuter avec vos clients, tout ça. Donc, il faut mettre une certaine différenciation et différenciation dans votre secteur de restauration. Vous allez vous faire énormément d'argent. Alors, si ce sujet vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous lancer dans ce secteur. Ok, lancez-vous dans ce secteur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Alors, le troisième business dont vous pouvez lancer dès maintenant en Afrique, plus précisément au Togo, c'est de se lancer dans le service de pressing. Aujourd'hui, ce secteur rapporte énormément. Tout le monde a des vestes, nous avons des habits. Lorsque vous allez au boulot, vous revenez toute la semaine, vous n'avez pas encore le temps, vous n'avez pas encore la force de laver vos habits et les repasser. Donc, créer un pressing vous fera énormément d'argent, forcément. Bon, donc, si ce business vous intéresse, moi, c'est tout ce que je vous dis. Si ça vous intéresse, lancez-vous. Vous vous approchez des gens qui sont dans ce secteur. Vous étudiez le système, vous voyez comment ça marche, vous dupliquez ça, mais vous allez essayer d'améliorer le système. Donc lancez-vous avec cette technique que je viens de voir là. Vous allez vous faire de l'argent. Ça vous permet de concurrencer vos concurrents. Vous voyez un peu, d'aller de l'avant sur vos concurrents un peu. À peu près comme ça. Il y a d'autres techniques, mais c'est une technique que je viens de vous dévoiler. Donc lancez-vous si ce business vous intéresse. Lancez-vous. Pourquoi pas? Lancez-vous. C'est très rentable. Alors le cinquième business. Et le business qui rapporte énormément d'argent. Déjà, c'est un business qui marche bien. C'est de créer une agence de montage vidéo, de photos. C'est-à-dire que vous allez créer une agence événementielle façon. Comment vous allez vous parler? C'est-à-dire que vous créez votre agence peut aller faire des montages vidéo, peut aller filmer les mariages des gens, peut aller filmer et photographier à des événements comme des mariages, des anniversaires, des baptêmes et autres. Vous allez voir, aujourd'hui, vous allez vous faire de l'argent, les gars. Vous allez vous faire de l'argent. C'est un secteur qui est très, très, très rentable. Lancez-vous. Pensez, passez à l'action, ne sert à rien. Tu dis que l'Afrique va évoluer, l'Afrique doit se vouloir, l'Afrique, tout le monde doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais toi qui le dis, tu ne fais rien. Ouais, donc lancez-vous. Tu peux suivre 1000 vidéos. Il n'y a pas une vidéo qui est extrêmement qui va marcher. Non, dans chaque business, il y a des difficultés à affronter. Donc vous prenez un secteur qui vous intéresse, vous lancez, vous affrontez les obstacles qui se généreront sur votre chemin et vous réussissez. C'est comme ça que ça marche l'entrepreneuriat. Alors je vais vous faire un bonus qui est très 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 rentable, un business qui est très rentable. Donc c'est de faire les cultures maraîchères. Vous pouvez décider de vous lancer dans la production de tomates et de piments ou bien de faire du chou, de l'essu et autres. Déjà, lorsque vous vous lancez dans ce business, au bout de 3 mois, vous allez commencer à rentabiliser de l'argent. C'est-à-dire 1 mois pour faire la pépinière, 2 mois pour entretien, à la fin du troisième mois, vous commencez à vendre vos tomates, à vendre votre piment. Alors, vous allez commencer à rentabiliser votre capital investi et tout cela. Donc, c'est un business qui est très, très rentable. Pour ce business, vous vous lancez. Et vous travaillez bien, vous entretenez bien vos plans. Et au bout de 3 mois, vous commencez à gagner de l'argent. C'est un business dans lequel moi je suis et qui me rapporte énormément d'argent. Donc, je suis très fier, c'est pourquoi je vous dévoile ce business. Donc, lancez-vous dans ce secteur. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager au maximum cette vidéo à vos amis, à vos camarades, pour qu'eux aussi puissent en bénéficier et se lancer dans l'entrepreneuriat et faire émerger notre pays et voir notre continent, l'Afrique. Donc on se retrouve à la prochaine. C'était votre père, Ali Christian, l'entrepreneur africain.